Salut à tous les amis, c'est Vitel2. On se retrouve toujours aujourd'hui pour le troisième commentaire sur Modern Warfare 3. Deuxième, excusez-moi. Donc on est encore une fois en domination sur Lockdown. Je suis désolé, mais c'est en domination. Mais je vais rentrer un petit gameplay sympa, vous allez voir à l'arme à laquelle je vais jouer. Voilà, là il y a la partie qui commence, voilà. Au début je voulais jouer à S50, mais non, finalement je me suis dit on va tester la MK14. Donc je suis en tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro, tireur d'élite pro. Bon, la MK14 elle a aucun atout parce que c'était la première partie que je jouais avec. Donc vous allez voir quand même, elle est vraiment très très puissante cette arme. Limite même cheatée je trouve, parce que franchement je pensais pas qu'elle allait être si puissante que ça. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parce que moi c'était un peu atroce vu que j'ai eu mon brevet blanc. Donc du coup le rythme de vidéo a dû un peu baisser. Donc d'ailleurs vous m'en voyez désolé. Mais je pouvais pas vraiment poster de vidéo parce que j'avais plus mon ordinateur, internet bugué comme un chien. Et du coup bah je pouvais vraiment rien vous envoyer. Donc du coup j'ai envoyé récemment un épisode de Minecraft. Et d'ailleurs les lasers là, on est déjà au quatrième épisode hein, n'empêche, de notre aventure. On vous dit il va y avoir normalement à peu près 20-25 épisodes, histoire de faire une bonne petite saison. Donc en gros soit totalement remplir nos objectifs. On a changé quelques objectifs au passage. On a mis maintenant désormais c'est un objet, on va faire un stuff complet enchanté, un stuff en diamant plutôt que d'un stack, parce qu'un stack en fait ce serait trop long sinon. Donc on a décidé de faire juste un équipement full diamant. Donc voilà. Donc maintenant j'en ai terminé avec les petites annonces. Donc là on voit que je suis quand même déjà à 5 éliminations. Donc vous avez pu voir la démonstration de force de la MK14. Vous voyez, en plus elle tire vraiment hyper loin. En fait, faut vraiment bien la gérer parce que franchement, elle est vraiment. Faut vraiment avoir l'habitude des armes coup par coup. Et moi, vu que je suis au sniper, vous savez, j'ai un peu l'habitude des coup par coup. Donc là, je viens de débloquer conditions extrêmes. Donc je suis déjà à quand même, mine de rien, 6 kills. Allez, on prend notre petit kill de plus. Et voilà, série de 8. Donc voilà, là vous voyez que je viens de débloquer juste mon human power. Hop, une petite efficience de mort, je savais même pas que je l'avais pas en pro. Il va falloir que je le monte ça. Ouais. Alors je crois que je vais bientôt me faire tuer malheureusement. Je crois que je vais faire une série de 9 ou 8. Bah oui, 8 vu que j'ai sécurisé un point. Donc je crois que je vais malheureusement mourir à une série de 8. Je vais être un peu dégueu parce qu'au début je croyais que j'allais pouvoir réussir une Moab. Bon, une Moab, vous allez me dire, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais je pensais que, ah non, je fais bien une série de 9. Et là, une série de 10. Donc, ouais, voilà, j'ai fait une série de 10. J'étais bien dégoûté, là. On se retrouve quand même, déjà pour le deuxième commentaire. Franchement, je pensais pas que ça allait... vous alliez tant apprécier que ça. Parce que franchement je passe de Pokémon à Minecraft puis à Call of Duty. Je vous rassure, hein, vous vous rappelez tous des ambitions sur ma chaîne hein. Vous savez très bien que je vais continuer à faire des vidéos Minecraft et continuer à faire des vidéos Pokémon. Je vous avais dit aussi qu'il y a un World True sûrement sur Infamous allait bientôt arriver. Le World True Infamous devrait arriver plutôt un let's play. C'est plus un let's play parce que moi je connais presque pas le jeu. En fait c'est surtout mon frère qui l'a fini, donc on le découvrira ensemble. Dites-moi le niveau de difficulté que vous voulez, hein. Dites-moi dans les commentaires la difficulté que vous voulez. Comme ça au moins je pourrais savoir si vous voulez que je me fasse vraiment laminer comme un porc. Ou que vous vouliez que je réussisse le jeu simplement. Et voilà. Donc voilà, on continue. Bon, je suis déjà mine de rien à 5 éliminations. Là je crois que je vais, voilà, je me fais plomber. Là je crois que
j'essaye de sécuriser ici, donc là je commence à speeder dessus, voilà. Tac, mais je suis pas sûr si je vais l'avoir, ouais c'est ça, je ne l'ai pas. Donc tac, voilà. Là c'était un allié au début, franchement j'ai cru que c'était un truc ennemi, donc j'ai eu un peu peur de mourir sur le bombardement. Mais bon, je vais continuer quand même à un peu fraguer, parce que je crois que je vais faire un score de 30. Je crois que c'est 30 que je vais faire, donc bah, de toute façon on verra bien à la fin de la vidéo, puisque je commence encore cette vidéo en différé. Mais il y aura sûrement un gaming live qui devrait arriver bientôt. J'essaie juste de trouver une technique. Enfin, j'ai trouvé la technique avec Audacity, blabla et tout. Mais en fait, j'aimerais juste réussir vraiment à bien me synchroniser avec. Et ça, c'est pour ceux qui font des vidéos Call of Duty. Enfin, ceux qui me suivent maintenant sur les vidéos Call of Duty. Et qui font des commentaires live, je pense que vous savez à quel point c'est dur de faire des commentaires live, vu qu'il faut bien synchroniser, il faut bien arrêter, et c'est plutôt compliqué. Donc là, on est mine de rien rendu déjà à 6 minutes de vidéo. Donc je suis à peu près à... Voilà, encore condition extrême, mais voilà. Alors ça, franchement, ça m'a bien dégoûté, parce que je pense que vous savez tous que si vous jouez à Modern Warfare 3, que le XM25 ne met presque jamais de hitmarker, enfin presque toujours de hitmarker, et évidemment sur moi, et bah ça me tue, évidemment. Donc ça fait toujours plaisir de mourir comme ça, pour rien en plus. Donc on voit quand même que cette MK14 est vraiment plutôt puissante. Parce que quand même, franchement, j'enchaîne bien, alors que c'est ma première partie avec. Hein. J'avais testé cette arme. Et vu que j'ai vu mon cousin jouer un petit peu avec, vite fait, une fois, deux, trois fois, je me suis dit pourquoi pas la tester, elle a l'air pas mal. Et ouais, oh, là, on se demande quand même comment j'ai fait pour ne pas le tuer, parce que quand même, j'ai mis... quand même... 2, 3, 4 balles. Donc là, ouais, je switch vite fait sur un L118A. Hein. La lunette thermique. Bon, je vais essayer de faire un flash cop là qui va louper, vous allez voir. Oh le beau gosse, le flash cop qui loupé. Donc là, est-ce que je sécurise A? Ouais, je vais sécuriser A, je crois. Mais franchement, tireur d'élite, franchement, c'est juste génial pour ça parce que. On peut vraiment voir d'où viennent les ennemis. On voit leur nom et ça c'est vraiment génial. Ah lui par contre j'avais vraiment pas vu. C'est plutôt bête parce que j'aurais pu franchir les deux petits frags là. Tac hop. Là vous voyez quand même là 2-3 balles et il meurt pas. Alors que d'habitude sur la MK14, excusez-moi, on met 2-3 balles normalement. Mais encore ça va parce que vu que j'étais en pillard. Ah non, j'étais en tour de passe-passe, donc j'avais pas pillard, donc je pouvais pas avoir le max de munitions. Mais bon, je préfère avoir tour de passe-passe sur la MK14 parce que faut quand même que je recharge assez souvent. Donc, est-ce qu'il y a un ennemi là? Non, il y a que dalle. Je tire pour rien. Ah si, en fait, il y en avait un. Ah là là, Videl, toujours à la ramasse. Et lui, je le vois pas. Génial. Donc, on arrive déjà à la fin de ce gameplay. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez bien apprécié le commentaire, que vous allez mettre un, n'hésitez pas plutôt à mettre un j'aime, à mettre un favori, et à la mettre en favori, à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook. Donc voilà voilà. Je vais sûrement demander un logo un peu plus, comment dire. Pas professionnel mais plus explicite pour ma, parce que vu que j'ai que Minecraft et Pokémon, il va falloir que je redemande un logo pour pouvoir avoir mes trucs Call of Duty et tout. Bref, on arrive à la fin de ce gameplay et voilà. Donc salut à tous les amis, c'était Bitel 2, bye à tous.